Chers amis, bonjour. La paracha de Mishpatim vient juste après celle de Itro. Vous le savez, Itro, c'est la paracha du don de la Torah. Cet événement majeur de la révélation euh, au cours duquel Dieu s'est révélé au peuple juif et a parlé, a donné les dix commandements avec Moshe. Puis, juste après, arrive la paracha de Mishpatim, qui est essentiellement dans sa très très large majorité. Mishpatim traite essentiellement du code civil. Et là, on peut, je dirais légitimement, s'interroger sur la pertinence de la liaison entre ces deux passages de la Torah. D'autant plus que la, le passage de Mishpatim commence en disant Ve et les à Mishpatim, et voici les lois que tu enseigneras devant eux, donc Dieu qui dit à Moïse, voici les lois que tu enseigneras. Et le Ve, c'est-à-dire, et voici. Comme pour dire, voilà, nous sortons du don de la Torah, c'est très grand événement de révélation spirituelle, et cette révélation spirituelle va produire, va donner ces lois-là, le code civil. Dans notre esprit, on a plutôt tendance à penser que l'alliance, l'alliance entre Dieu et le peuple juif, la religion, c'est d'abord une affaire spirituelle. Donc... Euh, Beaucoup plus lié à la notion de Itro qu'à celle de Mishpatim. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce que juste après la paracha Itro, il y a celle de Mishpatim Je vais accentuer un petit peu la question, puisque euh, ceux qui euh, regarderont euh, avec euh, assiduité la paracha de Mishpatim observeront que, à la fin de la paracha de Mishpatim, nous allons revenir. Sur les quelques jours avant le don de la Torah, parce que vous le savez, dans la Torah il n'y a pas toujours un ordre chronologique respecté. En revanche, s'il n'y a pas toujours un ordre chronologique, la chronologie telle qu'elle est enseignée dans la Torah a forcément un sens. Donc la question qui se pose, c'est quel est le sens euh, de, ce, de ce passage de Mishpatim du Code civil juste après la révélation de l'Hitro, de l'apparatchat du Hitro. Et là, en réalité, il y a quelque chose d'essentiel que la Torah veut nous enseigner. L'alliance, l'identité de l'alliance entre Dieu et le peuple juif ne se construit pas uniquement sur la base des notions spirituelles, mais également à travers le respect et l'observation de lois qui, logiquement, dans toute société. Euh, je dirais, euh, euh, qui cherche un, un état de droit et une justice sociale, a forcément envie de respecter. Mais pourtant, la Torah nous dit et souhaite qu'on respecte ces lois, pas uniquement parce que notre logique le demande et parce que la règle de la société euh, est plus convenable ainsi, mais parce qu'il y a dans le respect du code civil également un élément de l'alliance aussi fort que le respect des lois dites spirituelles voilà pourquoi est-ce que cette paracha de Mishpatim suit directement celle d'Hitro, ça nous laisse à réfléchir sur notre engagement dans la société et la motivation de notre quête d'une société juste Shabbat Shalom